Et oui, bah, pour me présenter très rapidement, moi je dirige une formation qui s'appelle Maestro, que vous connaissez peut-être, qui est une formation assez intensive de 5 semaines sur tout ce qui va être product management et aspects liés au product. Donc, on a évidemment des cours de product, mais on a aussi des cours de tech, de design, de prise de parole en public, de communication. Je reviendrai peut-être un peu dessus. Et aujourd'hui, bah, l'objet de notre discussion, ça va être de parler des défis d'un CPO. C'est la première fois qu'on fait ça. D'habitude, bah, on a reçu des head of product, des CPO, mais plus pour discuter un peu plus largement de la stratégie dans leur startup. Mais là, on va aller encore plus loin, on va élargir et on va essayer de comprendre les défis d'un CPO. Et ça peut être intéressant, soit si vous cherchez à faire un move autour de ça, soit si vous cherchez à comprendre les problématiques quotidiennes de vos futurs N plus 1, N plus 2, N plus 8. Donc, c'est hyper intéressant. Benoît, je vais peut-être te laisser te présenter rapidement. Carrément. T'es quoi tout court? Bonjour à tous. Et je confirme le message de Mehdi. Il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions, soit dans le chat, soit en vrai, avec votre micro. Il ne faut pas hésiter. Je suis là pour ça. Mais en quelques mots, moi, je suis donc Benoît, ça vous le savez déjà. J'ai commencé ma carrière, on va dire, plutôt dans la tech. Donc, moi, je suis plutôt ingénieur et j'ai. Fait pas mal de développement. J'ai fondé quelques startups que j'ai toutes plantées. Voilà. Mais c'est en se plantant qu'on apprend. Et quand je me suis planté pour la deuxième fois, je me suis dit qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et qu'il fallait que je trouve pourquoi. Donc j'ai fait deux choses. Je voulais voir une startup qui marchait. Donc j'ai rejoint My Little Paris en tant que CTO. Little Paris, que vous connaissez peut-être, même si quand je l'ai rejoint, c'était tout petit, petit, puisqu'on devait être 5 ou 6 à ce moment-là. Donc là, j'ai rencontré des personnes absolument fantastiques qui m'ont appris plein de choses, notamment au niveau du marketing et de la compréhension des utilisateurs. Et la deuxième chose, c'est que j'ai découvert le métier de product manager. Donc c'était maintenant, il y a 10 ans, dans une entreprise qui s'appelle Enablon. Et je me suis vraiment formé à ce que j'appelle moi, c'est un peu daté maintenant, le product management agile, c'est-à-dire toutes les méthodologies, Lean Startup notamment, et design thinking, qui permettent vraiment de mettre l'utilisateur au centre de ce qu'on fait. Et ce qui m'a permis après de commencer à réussir, entre guillemets, dans la tech. Et donc, c'est là où j'ai grandi en tant que product manager, directeur produit chez Enablon, directeur des innovations produits. Puis, j'ai fait un petit tour chez Deezer pendant 2 ans. En tant que VP produit, donc je manageais tout le produit Deezer. Et je suis arrivé depuis 2 mois maintenant chez Ocus en tant que Chief Product Officer. Donc Canon. voilà, quelques mots. Canon. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu Ocus ici ou pas du tout? Bouh. Vous pouvez le mettre dans le. Ouais, moi je fais partie d'Ocus également. Ah, Ah, d'accord, ok. Laetitia. Ah, d'accord, j'adore. Ok, bon, tu vois, tu vas pouvoir avoir les secrets de ton boss. Enfin, je ne sais pas si tu es en Ah product. non, je fais partie de la tech. Et D'accord. ça m'intéressait effectivement de voir ce webinaire avec Benoît. Ok, cool, trop bien. Il y en a d'autres qui connaissent un petit peu Ocus. Moi, j'ai découvert grâce à Benoît. Hein. Sincèrement, je ne connaissais pas. On a reçu. Bah, on va plonger dedans d'ailleurs, parce que en gros, on va essayer de parler essentiellement de trois choses. La première, ça va être un peu bah, ton contexte actuel. Voilà, enfin, tes défis principaux. Hein, on va partir de l'exemple pratico-pratique. On va aussi parler ensuite de tout ce qui va être orga, strat, produit, enfin, organisation produit et stratégie produit. Et comment tu définis ça, comment tu mets ça en place. Peut-être qu'il y a des différences entre Ocus et Deezer. Et ensuite, on va terminer par une partie un peu management, recrutement, carrière, formation, pour un peu faire le tour de ces questions qui, je pense, vont en intéresser quelques-uns. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu bah, Ocus, ce que c'est comme entreprise, comme produit? Oui, bien sûr. Laetitia est là, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Ocus, c'est une entreprise qui aide les entreprises qui ont des besoins d'images à trouver ces images. Donc, les images sont aujourd'hui partout. Vous pouvez ouvrir votre application, votre téléphone portable,
des applications, le web, il y a des images partout. Les images sont en train de manger le monde, comme il y a une expression anglaise qui dit ça, mais voilà, on aide les entreprises à trouver ces images. Et on aide les entreprises à trouver ces images, donc ça peut être des photos, des vidéos, grâce à deux biais. Le premier, c'est une communauté de plus de 30 000 photographes qui nous aident à faire des photoshoots pour diverses entreprises. Donc c'est une vraie communauté qui, ensemble, est un vrai atout pour Ocus. Et le deuxième, c'est la technologie qui nous permet d'enrichir ces images et d'amener le meilleur service à nos clients. Donc voilà, en quelques mots. Ok. Donc vous avez une partie un peu, si je comprends bien, vous avez une partie un peu marketplace en fait, où vous mettez à disposition des photographes avec des entreprises de tout type. Ça peut être quel type, par exemple, si tu peux nous donner un cas d'usage? Cas d'usage, ça pourrait être dans la food tech. Hein. Je sais pas si je peux donner des noms au micro, mais c'est dans la food tech. C'est un use case assez classique où les entreprises de la foodtech aujourd'hui, que sont Deliveroo, Uber Eats et ce type d'entreprise, chaque fois qu'elles vont signer un nouveau restaurant, généralement, plutôt que le restaurant utilise des photos de stock pour mettre en avant ses sushis, par exemple, préfère offrir un photoshoot à ses clients pour avoir des photos de bonne qualité sur leurs applications. Et donc, ça apparaît simple comme ça, mais en vérité, quand on veut le faire dans le monde entier, quand on veut le faire avec de la grande qualité, et ben ça, en fait, ça devient très compliqué parce qu'il faut gérer, trouver les photographes, uploader les photos, faire la post-production, recevoir le download, plus plein d'éléments technologiques là-dedans, donc qu'on peut amener avec de la data science, du machine learning. Enfin, il y a plein de choses très intéressantes à faire. Et la partie tech, justement, elle est là pour. Elle est là pourquoi exactement. Enfin, la partie enrichissement des photos, elle est là pourquoi exactement? Elle est là pour un peu faire toute cette partie post-prod, ou moins, ou plus que ça? Oui, elle est là pour tout faire, la Ouais. partie tech. Il y a ça, mais toutes les parties de mise en relation, il faut faire toutes les applications qui nous permettent d'opérer. Donc, il y a une machinerie derrière qui est assez importante et imposante. Ok. Et donc, tout ce business, en fait, co comment est-ce que ça se traduit aujourd'hui en environnement produit? Qu'est-ce que vous avez? Sur quoi est-ce que vous travaillez? Quels sont vos différents types de produits chez Ocus? Alors, on a des équipes produits, tech, data, QA, classiques. Donc, on a une organisation finalement assez commune. Donc, je pense qu'on pourra y revenir dans les organisations. On a pas mal de frontaux qui nous permettent d'opérer, puisqu'on a un portail pour nos créateurs d'images, on a un portail pour nos clients, et puis on a un portail aussi pour nos employés qui font aussi toute la machinerie derrière et qui nous aident à opérer toutes les milliers d'images qu'on reçoit tous les jours. Canon. Et vous allez où en termes de vision, produit? En termes de vision produit, ce qu'on veut, c'est rendre finalement l'image la plus fluide possible. Donc, ce qu'on veut, c'est que quand on a un besoin d'image, on rende l'opération la plus fluide possible avec des images les plus qualitatives possibles. Et donc, ça, c'est un petit peu ce qui nous anime en ce moment. Canon. Ok, top. On en sait un peu plus du coup sur Ocus. Justement, enfin, je ne sais pas si c'est tabou, mais ça me fait penser à Miro. On en parlait un petit peu d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un positionnement différent? Est-ce que c'est du frontal? Ça peut être du frontal, hein, comme Deliveroo et Foodora. Fin. Voilà, j'ai cité deux entreprises de la food tech. Ouais. Ocus et Miro sont deux entreprises qui travaillent autour des images. Ouais. Donc c'est pas du tout tabou. Donc voilà, on est deux concurrents en frontal. Et Ocus, c'est français? Ocus, c'est français, ouais, comme Miro. La France a
La France, c'est En tout cas, dans les forte images, en photo, quoi. Ah ouais, voilà, la France est balèze en photo. les startups assez fortes. Mais il y a un concurrent italien qui, par exemple, qui s'appelle Boom, et il y a des concurrents aussi aux États-Unis. Ok. Pour continuer un petit peu sur ton contexte, tu peux nous en dire un peu plus sur tes enjeux 2021, là, en produit, enfin, l'équipe produit au sens large, toi en tant que CPO? Là, on a des enjeux qui sont des enjeux de structuration. OQ, c'est une entreprise qui va passer petit à petit de la startup vers un scale-up. Et donc, on a des enjeux très, très forts de structuration. Alors, je ne sais pas autour de ce call, quelles sont les entreprises dont vous faites partie, mais c'est des phases assez particulières où avant, on pouvait avoir quelques product managers, une équipe tech où il va falloir passer en squad, en tribu. Travailler sur des problématiques de priorisation qui ne seront jamais des problématiques évidentes Non, c'est dans vrai. un monde, enfin comment dire, dans des opérations multinationales, on appelle partout dans le monde, avec beaucoup, beaucoup de clients, avec un métier en forte croissance et une très, très forte concurrence, comme tu l'as rappelé. Donc, j'ai aussi pas mal d'expérience avec Deezer en l'occurrence. Mais voilà, cette partie structuration et accélération de l'orga. Et du coup, tech et produits, ce serait intéressant aussi d'avoir l'avis de Laetitia, mais sont vraiment ce qui nous anime en ce moment. Tu veux rajouter quelque chose, Laetitia, sur les enjeux produits? Pardon, je ne voulais pas te Non, mettre le spot sur Laetitia. je plaisante. Et donc, toi, tu es arrivé il y a quelques mois maintenant. Bah, déjà, pourquoi tu as choisi de rejoindre Opus? Qu'est-ce qui t'a animé? C'est une rencontre humaine avant tout, puisque j'ai rencontré très vite les fondateurs Julien et Thibault, que j'ai trouvé passionnant. Donc je quitte la musique, qui est un peu mon domaine de passion, mais pour un autre domaine, je trouve passionnel, qui sont Tu les restes dans images. l'art. Ouais. Allez-y. Sais pas si les images aujourd'hui, c'est de l'art, mais en tout cas, dans un domaine passionnel, parce que les photographes sont un peu comme les musiciens, sont des gens de passion. Ça m'intéressait avec vraiment des fondateurs qui ont une vision forte et une position qui est la mienne sur laquelle je peux vraiment peser dans l'organisation. Donc, ça me paraissait être un bon deal pour moi. Ok. Tu es donc un product manager de passion. Je suis un product manager de passion. J'ai fait un talk, un de mes premiers talks d'ailleurs, c'était sur le product management et la passion, parce que j'ai eu la chance de travailler 2 ans dans la musique. La musique, pour moi, c'est vraiment ma plus grande passion. Et j'ai fait un talk dessus parce que c'est très particulier de travailler dans des domaines passionnels quand on est passionné soi-même. Parce que d'abord, ça amène plein de biais personnels. Parce que quand on est product, il faut qu'on évite. À mon sens, hein, d'avoir trop d'intuition. Enfin, non. Faut qu'on évite de toujours trop écouter nos intuitions. Ça peut amener beaucoup de biais. Et le deuxième problème, c'est qu'on n'est pas les seuls à avoir des intuitions. Et ça amène beaucoup, beaucoup de problématiques quand on est product manager. Ça peut ramener quoi comme biais, par exemple, tu as vécu ce genre de situation chez Deezer? Ah oui, bah oui. Et je pense qu'il y a d'autres entreprises, mais. En fait, on a un métier product management, c'est très très difficile de comprendre ce qu'on fait. C'est un métier qui est tout jeune, les gens ne comprennent pas forcément ce qu'on fait. Et puis à la fin, quand on a bon, on nous dit rarement que c'est bien. Quand on n'a pas bon, on nous dit souvent que c'est pas bien. C'est vrai. Et donc finalement, les gens ils se rendent pas compte le travail derrière juste une petite feature. Parce qu'il y a tout un travail d'analyse, il y a un travail vraiment pour essayer de réfléchir, est-ce que c'est la bonne chose, de priorisation, de MVPisation. Il y a beaucoup de choses à faire en fait derrière une feature. Quand on travaille sur un produit B2C passionnel comme la musique, par exemple, comme Deezer, bah, des fois on va faire une feature qui paraît simple parce que tout le monde peut l'utiliser. Mes parents utilisent Deezer, ils savent utiliser la majorité des fonctionnalités. Donc, certaines personnes peuvent arriver en disant non, mais c'est simple, fais comme ça, tu vas voir, fais-moi confiance, c'est la bonne chose à faire. Sauf qu'en réalité, Deezer, c'est plusieurs milliers, enfin, plusieurs milliers, plusieurs millions d'utilisateurs et que un avis n'est qu'un avis sur 14 millions.
Et donc, c'est comment on fait la synthèse de ça pour gagner dans un métier hyper concurrentiel. Donc là, on a parlé de Miro versus Opus, Spotify versus Deezer, c'est aussi extrêmement compliqué parce Ouais. qu'on est devant des mastodontes. Mes compétiteurs chez Deezer, c'était Spotify qui a quand même inventé toute l'agilité moderne sur laquelle on est tous organisés, Apple, Amazon, Google. La seule GAFA sur laquelle je ne me battais pas, c'était Facebook. Donc, ce n'était pas évident. Non. Ok. Ok, du coup, tu les as rejoints. Est-ce que, bah, là, j'ai posé une question dans le chat. À votre avis, c'est quoi les défis d'un CPO, d'une CPO? N'hésitez pas à me répondre. Je vais te poser la question aussi, mais pas tout de suite. Peut-être laisser le temps d'avoir quelques avis là-dessus. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton rôle aujourd'hui, ton spectre, en tant que directeur produit, enfin, en tant que CPO, pardon? Mon rôle, de manière plus globale, pour moi, le rôle d'un CPO, c'est vraiment de donner la direction, la bonne direction à ses équipes. On a un rôle particulier, product, c'est qu'on est rarement les plus nombreux par rapport à la tech. Hein, il y a souvent un rapport de, allez, on va dire, 1 à 5. Mais pour autant, si on fait bien notre travail, on est capable d'emmener les 5 suivants, c'est-à-dire les équipes tech, vers les bonnes choses à faire. Et c'est très compliqué en réalité de définir c'est quoi les bonnes choses à faire. Moi, je considère que si on ne met pas les bons garde-fous, on parlait de design thinking tout à l'heure et de Lean, si on ne met pas les bons garde-fous et si on implémente tout ce qui nous passe par la tête, il y a entre 50 et 80% des choses qui ne seront pas ou peu utilisées. Donc, il faut mettre en place tous les process. Alors, d'abord de priorisation pour prendre les bons choix. Ça vient avec la data. Ensuite, c'est comment on trouve les bons problèmes, comment on propose les meilleures solutions. Là aussi, il y a eu tout un. Dans le product management, on a dit souvent que le product manager devait être le CEO de son produit. Moi, je me bats un petit peu contre ça. Pour moi, le product manager, c'est un peu la tour de contrôle qui doit leverager l'intelligence collective autour de lui et prendre les meilleures idées là où elles sont pour résoudre les problèmes de ses utilisateurs. Travailler avec les nouveaux métiers que sont les data analysts, que sont la UX research pour trouver les bonnes solutions, pour être certain que la solution est bonne, qu'on est bien MVPisé, qu'on est bien la bonne user experience, qu'on parle correctement aux utilisateurs. Donc, il y a de nouveaux métiers qui arrivent, il y a l'UX writing, ce genre de choses, pour qu'à la fin, on prenne les bonnes décisions et que, avec nos camarades de la tech, on fasse gagner l'entreprise. Donc, pour moi, c'est ça. Il y a un très, très bon, très, très bon point de Kevin dans le chat qui sont le recrutement et le coaching. Il est clair que le recrutement aujourd'hui, c'est primordial. Et encore plus primordial, c'est le coaching, c'est-à-dire comment on fait grandir les gens. Quand moi, j'ai commencé le product, on devait peut-être, je ne sais pas combien on était sur Paris, mais en 2011, on devait être une centaine à avoir ce titre-là. Maintenant, on est beaucoup plus nombreux. On peut remplir avec des événements des grandes salles pour parler de product management. Néanmoins, le product management, c'est un métier qui s'apprend aussi un petit peu avec le temps. Il y a ce qu'on lit sur les médiums et quelques bouquins, mais il y a aussi ce qu'on apprend avec le temps et la bouteille dont on a besoin. Donc, c'est aussi des points extrêmement intéressants. Ouais. Et j'ai une question qui me vient là, c'était pas prévu, mais tu parlais tout à l'heure dans les défis que tu as cités, enfin, tu as parlé de rôle, tu as parlé de défis, mais dans les défis que tu as cités, tu as parlé d'alignement des équipes, du fait de bien prioriser, du fait de parler avec tout le monde pour trouver des bonnes solutions. Et tout ça, ça prend du temps, en fait. Tout ça prend du temps à découvrir, quoi, à défricher, encore plus à mettre en place et encore plus pour trouver les effets, pour que ça ait de l'effet. Comment tu arrives, toi, à un peu enfin, rassurer, alors que derrière, tu vois, une start-up, c'est quelque chose qui doit aller super vite, l'environnement est hyper changeant, enfin, on connaît les défis. Comment est-ce que tu fais pour rassurer un peu ta direction par rapport à ça?
Comment est-ce que tu... Alors, il y a plusieurs réponses. Alors, c'est marrant, ça me fait penser à un truc que j'ai vu passer sur Twitter, où en gros, on avait un immeuble parisien et toutes les fenêtres étaient noires et on avait pas mal de rôles de LaTeX où toutes les fenêtres étaient noires, entre guillemets, ils sont en train de dormir, et il y avait une seule fenêtre allumée et c'était marqué, là, c'est le product manager. Donc en fait, en réalité, le product management, c'est aujourd'hui un des métiers les plus difficiles de la tech. Pourquoi? C'est qu'encore une fois, c'est un métier qui est jeune. Ça fait 40 ans qu'il y a des développeurs aujourd'hui, c'est un métier qui est quand même plutôt pas mal balisé, dans lequel vous pouvez trouver, alors on n'a pas parlé de la carrière produit, mais c'est un truc qui est encore assez mal balisé aujourd'hui. Ça commence à être beaucoup mieux balisé dans la tech. Il y a aujourd'hui des frameworks complets qui ont été lancés par certaines entreprises qu'on peut suivre. C'est beaucoup plus dur dans le produit. Et donc, du coup, les gens ont du mal à comprendre ce qu'on fait. Et donc, par ricochet, bah, c'est difficile de demander du temps pour le produit. Je donne un exemple souvent, mais j'entends souvent parler de, tiens, on va prioriser, puis quand est-ce qu'on peut faire ce développement? Mais en fait, on a une roadmap qui est généralement une roadmap tech, là où il faudrait avoir une roadmap de conception, une roadmap produit, et une roadmap tech, une roadmap d'exécution. Il faut jamais oublier que on a besoin de champ de temps pour faire les choses. Donc, si on pense que dans une startup ou une scale-up aujourd'hui qui se bat dans un marché concurrentiel, on peut faire en une semaine ou quelques jours ou quelques heures de la bonne conception d'une feature à très forte valeur ajoutée pour l'entreprise, on se trompe ou on va se tromper. La conception, ça prend du temps et surtout la validation de cette conception. Donc, moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en fait, il faut changer la temporalité dans les entreprises. Il faut donner du temps absolument au product manager pour faire de la conception et travailler sur avec des formes ou avec des nouveaux profils comme les UX Research pour valider la conception. Il vaut mieux toujours perdre du temps avant, sans développement, que perdre du temps après. Déconstruire quelque chose qui a été fait, qui ne répond pas aux besoins, c'est toujours très compliqué d'un point de vue tech. Je le dis aussi parce que je suis un tech moi-même, je code, donc je sais ce que ça veut dire que de déconstruire quelque chose qu'on a fait ou que quelqu'un d'autre a fait. Là où déconstruire un prototype, parce que là aussi j'ai déjà fait, c'est extrêmement simple, extrêmement rapide. Donc, il faut absolument avoir une bascule du temps pour qu'on se laisse, nous, product manager, ce que j'appelle moi product manager, c'est on pourrait appeler les PMPO, au moins 50% de notre temps, voire plus, doit être passé en conception. Donc, c'est ça aujourd'hui, pour moi, la mère de toutes les batailles, c'est qu'on ait le temps de faire cette conception pour que quand on arrive en développement, on donne des choses qui sont extrêmement baquées, solides à la tech, avec le moins d'aller-retour possible et surtout que. Après, une fois que c'est lancé en production, on peut réduire les A/B tests, on peut réduire plein de choses parce que si on a fait les choses correctement, notamment avec de la UX Research, on peut quand même s'assurer d'un certain succès de prototype une fois qu'ils sont arrivés en prod. Et pour moi, c'est ça aujourd'hui la grosse bataille. On a souvent parlé, bah, Fabrice de Schittigam m'en parlait aussi, il a une vision assez similaire, et, enfin, je pense. Et en fait, c'est un vrai challenge de vendre ça en fait, à sa direction, vendre le fait que tu veux mettre tes équipes de plus en plus sur la conception. Tu parlais de 50%, mais ne serait-ce que 30% déjà. Faire en sorte que tes product managers passent 30% sur vraiment de la conception, faire en sorte d'avoir une roadmap différente de conception, rien que ça peut être difficile. C'est quelque chose que tu appliques toi aujourd'hui? C'est quelque chose qu'on est en train d'appliquer. On est en train de construire la roadmap en ce moment même pour être transparent. Et ça fait que 2 mois que je suis là, donc je n'ai pas encore tout mis en place. Mais c'est quelque chose qui est mandatory pour moi et sur lequel j'ai quand même beaucoup d'écoute de la part de la direction. Canon. On va essayer d'avancer un peu puisque l'heure tourne. Est-ce que tu peux alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'équipe produit au sens large aujourd'hui, produit, tech, UX, design chez Oculus? Comment elle est organisée? Bon, on a une équipe assez classique, hein, mais si on revient sur la conception, la chance qu'on a chez Oculus, c'est qu'on a pour moi tous les métiers qui sont nécessaires à de la bonne conception. Je le dis comme ça parce que c'est vraiment important, à mon avis, pour gagner dans le digital, surtout quand on a besoin d'avoir du front et d'aller vite.
Donc, le premier métier qui intervient pour moi, c'est la UX Research. Ce n'est pas encore un métier qui est très développé, mais on a de la chance d'avoir des UX Researchers chez Ocus. Ça permet quoi? Ça permet de très très tôt d'identifier les problèmes qu'ont nos utilisateurs et surtout ne pas avoir que les problèmes des gens qui crient le plus fort. J'ai travaillé chez Deezer, on avait beaucoup de communautés. Les communautés, c'est super, mais c'est des gens qui sont un peu plus vocaux que les autres. Qu'est-ce que font les autres qui sont la majorité silencieuse? Ça, c'est le premier département qui est très intéressant. Le département data, puisque si on veut avoir le point de vue de l'utilisateur, il faut aussi qu'on a le point de vue de la data qui nous donne une cartographie qui ne triche pas ou qui ne ment pas. Là où l'utilisateur, parfois, ment, c'est comme ça, c'est dans les interviews. Ensuite, on a les product managers qui prennent les différents problèmes et viennent les prioriser. On a une équipe UX qui vient travailler avec les product managers à la solution. Donc, pour moi, là où avant on avait des designers, moi j'appelle ça aujourd'hui des product designers qui sont donc des équipes qui viennent prendre le problème du product manager et le transformer avec lui et avec les équipes tech. En solution. Et le UX designer va vraiment travailler, enfin, le product designer va vraiment travailler avec la UX research pour valider ses prototypes. Et donc, c'est typiquement c'est des interviews autour de prototypes avec des méthodologies particulières. Souvenez-vous que l'utilisateur ment, non pas parce qu'il aime bien mentir, mais parce que parfois il n'a pas envie de vous blesser. Donc ça, c'est un biais que la UX Research enlève au product manager. J'ouvre une parenthèse hein, très simple. Si vous êtes product manager, que vous créez une maquette et que vous allez la montrer à un de vos amis, il va avoir du mal à vous dire que c'est nul. Et donc, il va souvent vous dire que c'est bien. Or, il faut mettre en place tous les process pour que si la personne pense que c'est nul, il vous dise que c'est nul. Je prends aussi souvent cet exemple-là. Si on regardait les gens qui écoutent Deezer, si on leur disait, mais qu'est-ce que tu écoutes le vendredi soir? Ils vous diraient les trucs un peu cool, j'écoute Drake et voilà, je sais pas trop c'est quoi les trucs cool. Alors qu'en réalité, comme nous tous, ils chantent Céline Dion et Jean-Jacques Goldman le vendredi soir avec leurs copains. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment important et que la UX Research nous permet de gommer. Une fois qu'on a trouvé les bons prototypes et qu'on a fait la bonne conception, c'est le product manager prend sa casquette cette fois un petit peu de product owner et travaille avec la tech pour implémenter les features le plus rapidement possible. Et enfin, on reprend un petit peu notre casquette à la fois côté research, à la fois côté data, à la fois côté product pour mesurer les impacts de ce qu'on a fait. Alors, on peut mesurer des impacts de manière quantitative avec la data, de manière qualitative avec des surveys. Et ça, c'est le product manager qui doit suivre ce qu'il a fait. Je le dis aussi, c'est important, c'est que c'est un biais qu'on a parfois dans les startups, c'est de lancer des trucs et pas trop regarder l'impact. Ouais. Il vaut mieux lancer moins de choses, mais mieux de choses et regarder un petit peu ce qu'on a fait, ce qu'on a lancé, et plus dans le test and learn que faire beaucoup, beaucoup de choses. Je le dis aussi, de plus en plus, j'essaye de travailler et d'inciter les gens à travailler autour d'objectifs, qui sont des objectifs plutôt business, plutôt qu'autour de la delivery. Ce qui nous tue dans les startups aujourd'hui, c'est notre obligation à faire de la delivery, à livrer des features. Il faudrait qu'on soit un petit peu moins feature-oriented et un petit peu plus performance oriented. Ça, c'est un élément qui est aussi très très important et qui, en tout cas chez Ocus, on travaille beaucoup avec la data pour ça. Canon. Et tu disais que bon, les products travaillent avec la data, travaillent avec l'UX, peut-être aussi avec les designers Ouais. pour prototyper. Est-ce que donc si on découpe en trois phases, donc la phase de discovery, la phase d'implémentation, la phase de suivi. Et tu nous as dit que sur la phase de discovery, vous faites un peu d'interview, enfin, vous faites même pas mal d'interviews et vous essayez un peu de débiaiser les choses. Est-ce que vous faites autre chose pour faire de la discovery? Comment est-ce que vous faites de la discovery au sens large aujourd'hui?
Alors, je ne vais pas parler que de Ocus, je peux élargir aussi un peu le débat, ça peut être intéressant parce que là, pour le coup, chez Deezer, on était très très fort aussi. Donc, il y a les interviews, il y a les surveys, il y a des day in the life avec les équipes internes. Donc, chez Ocus, par exemple, on a beaucoup de nos clients produits et tech qui sont des équipes internes. Donc, des day in the life, ça marche très bien. C'est quoi Et ça? bah c'est ici on a des équipes par exemple qui sont des équipes de customer success. Eh bien, on vient faire du customer success. On Ok. vient pas juste faire des interviews, alors comment ça se passe, on va le faire nous-mêmes. C'est la meilleure façon de se rendre compte de comment est utilisé notre produit. C'est un autre truc qui est vraiment intéressant. Et qu'on par exemple on a appris aussi un petit peu à notre corps défendant avec Laetitia aujourd'hui, c'est il y a ce qu'on appelle des schémas d'utilisation sur notre produit. Vous concevez un produit d'une certaine manière, mais les gens ne l'utilisent pas forcément de la manière dont vous avez imaginé. Et donc, pour se rendre compte de ça, bah, faut passer du temps avec ces gens-là. Je peux donner un autre exemple. Chez Deezer, et je le dis parce qu'on n'est pas la seule entreprise à faire ça, quand je suis arrivé, j'ai mis en place 2 jours obligatoires pour chaque product manager au support client de Deezer qui se trouvait est à Londres. Donc chaque product manager va passer 2 jours, pas pour rencontrer les gens forcément, pour faire des tickets de support. Et quelle est la meilleure façon de se rendre compte de la qualité de son produit que de manager soi-même les tickets des gens qui ne sont pas contents de son produit? J'en vois pas beaucoup. Et donc ça, c'est des éléments très forts qui permettent au product manager d'avoir vraiment cette empathie nécessaire pour faire un bon produit. Je le dis souvent, entre le B2B et le B2C, la grosse différence, c'est que dans le B2B, quand vous travaillez avec des clients, et moi j'ai travaillé chez Enablon dans l'enterprise, quand vous avez des clients enterprise, donc des grosses entreprises, quand ils ne sont pas contents, ils vous appellent directement, ils n'appellent même pas le key account manager, ils appellent le product manager, ils disent c'est quoi ce bazar, faut que tu me changes ça. On est tous humains, quand on se fait engueuler 2 fois, 3 fois, on n'a pas envie que ça recommence. Quand on est sur des grosses machines B2C, c'est beaucoup plus diffus, on se fait rarement engueuler personnellement, c'est plutôt le support client qui prend. Et donc, pour avoir ce sentiment un petit peu des problèmes, il faut se rapprocher de ces structures-là. Donc ça, c'est un truc qu'on a mis en place chez Deezer, c'est un truc qu'on fait aussi chez Ocus, on fait beaucoup de day in the life ou de journées dans lesquelles on vient faire le métier de l'autre pour se rendre compte de ces différentes problématiques. Un élément qu'on avait mis en place chez Deezer qui était très intéressant, alors malheureusement, enfin heureusement, on l'a fait juste avant la pandémie et on n'a pas pu continuer, c'est qu'on a mis en place des programmes d'ambassadeurs régionales. Donc là aussi, si vous êtes sur un produit multinational, ça peut être intéressant, soit par des voyages, soit par des calls intensifs, de se rendre compte de ce que c'est que l'utilisation de votre produit dans un autre pays. Généralement, en France, on n'est pas très fort pour internationaliser nos produits, déjà parce qu'on ne parle pas très bien anglais, on n'est pas très bon en langue. Ensuite, on a parfois un point de vue français, qui est un point de vue où on va écrire beaucoup sur les interfaces, là où les gens lisent peu, et on est beaucoup moins straightforward que le serait, pardon pour mes anglicismes, un Américain par exemple, ou un Anglais, sans vouloir faire des généralités. Et donc, j'ai eu la chance, par exemple, chez Deezer, de faire un voyage de 4 jours au Brésil. Le Brésil est un gros territoire pour Deezer, dans lequel on a fait des interviews utilisateurs, rencontré nos partenaires, rencontré des artistes, rencontré des podcasteurs. On a fait des tests là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire d'ouvrir Deezer? Est-ce que c'est la même chose? On a acheté des téléphones, on a acheté des lignes. Est-ce que la 4G, c'est la même que chez nous? Le réseau n'est pas pareil? Est-ce que le Wi-Fi est différent? Est-ce que c'est les mêmes terminaux? C'est sûr que quand on ouvre une application avec un iPhone 12, avec une 5G française, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais si on le fait dans des villes comme São Paulo, ou comme Rio, ou comme Beyrouth, est-ce que c'est la même chose? Eh bien, ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi, pour que le product manager comprenne comment les gens utilisent son produit, pour pouvoir y répondre au mieux. Et tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure sur la conception, la UX research, etc., le but, c'est d'éviter les biais, en fait, tout simplement, qui sont des biais naturels. J'ouvre mon application chez moi, elle fonctionne, du coup, je pense qu'elle fonctionne. Or, peut-être qu'en fait, elle ne fonctionne pas bien dans d'autres contextes.
Et ça, c'est un élément qui est important. Et généralement, en tant qu'être humain, on a besoin qu'on nous aide à sortir des biais. Pour ça, la recherche est intéressante. Mais c'est un truc, au plus on va au contact de nos stakeholders, au plus on casse ces biais. C'est du coup ça m'emmène sur après la discovery. J'imagine que ça te nourrit pas mal pour construire ta stratégie et ta roadmap derrière. Ouais. Tu fonctionnes en OKR, ou en tout cas tu faisais peut-être chez Deezer. Comment ça se passe en fait ce process? Ça rejoint un peu la question de Kevin. Comment ça se passe ce process de création de ta stratégie? Comment est-ce que tu... C'est une bonne question. Alors, de mon point de vue, il faut toujours partir d'objectifs. Encore une fois, moi, je suis un product manager, même si je suis tech, je suis quand même très orienté business. C'est-à-dire que je pense qu'il faut toujours, et là, c'est une démarche d'entreprise, mais partir d'objectifs d'entreprise, idéalement sous forme d'OKR, effectivement, parce que ça a été conçu pour être pris en cascade. Mais normalement, en fin d'année, l'entreprise vous donne des objectifs. Enfin, donne des objectifs à l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est de les reprendre, alors soit par équipe produit tech, soit par tribu, soit par squad. À mon sens, il ne faut pas séparer la tech du produit dans la conception des objectifs. En tout cas, que ce soit pour votre squad ou votre tribu, il faut définir quels sont les objectifs, donc les OKR, qui vont nous permettre de venir abonder les objectifs de l'entreprise. Donc ça se fait essentiellement avec généralement ce qu'on appelle des proxy metrics. C'est-à-dire que c'est difficile si on vous demande sur un produit B2C de venir améliorer la stickiness de votre produit, donc le ratio entre les gens qui viennent régulièrement et les gens qui viennent de temps en temps. Ça va être difficile de prouver que votre dev va avoir amélioré la stickiness. C'est quelque chose que Gibson, je ne me souviens plus de son nom de famille, qui est l'ancien CPO de Netflix, explique très bien ce qu'on appelle les proxy metrics dans des posts médiums sur la stratégie qui sont très bien faits. Donc, on définit des metrics sur lesquelles on a le contrôle qui viennent nourrir la metrics principale. Donc, ça, après, il ne faut pas hésiter à se border avec des gens de la data pour valider que son assumption de sa proxy metrics est juste. Mais on se donne des metrics. Pour un quarter, pour une année, peu importe, mais on se donne des métriques. Et surtout, on se donne des métriques, qu'on peut mesurer, sur lesquelles on peut avoir un impact et sur lesquelles on peut avoir un impact rapide. Je vois beaucoup de métriques qui sont parfois, moi j'ai envie d'avoir 3 clients de telle industrie dans les 3 prochains mois. Ça, ce n'est pas un objectif qui est actionnable. Parce que, il va falloir attendre 3 mois pour pouvoir valider l'objectif. Il faut des choses actionnables le plus rapidement possible. Donc ça, c'est l'élément le plus important pour moi. C'est vraiment définir c'est quoi nos objectifs. Et nos objectifs, pas en termes de delivery, mais en termes d'objectifs. Je le redis, il faut sortir du tout delivery, d'absolument faire des features. Parfois, on peut améliorer considérablement des metrics business sans avoir à faire de feature. Donc ça, c'est un élément qui est important. On définit ses objectifs idéalement sous forme d'OKR, idéalement pas trop. Pensez à vous focusser vos équipes. Moi, généralement, j'aime bien la règle des 3 et 3, 3 objectifs, 3 key results. C'est pas mal, mais ça dépend de votre scale. En tout cas, il vaut mieux, à la limite, une North Star que plein de myriades d'objectifs. Donc ça, c'est un élément important. Ensuite, pour moi, il faut utiliser des systèmes de priorisation. Alors, il y en a plein hein, sur le produit, des systèmes de priorisation, soit par impact, soit par rise, etc. Bon, moi, je fais plutôt de l'impact. Mais il faut utiliser des systèmes de priorisation qui vont venir automatiquement prendre les sujets dans votre roadmap, qui vont venir nourrir vos objectifs. Et donc, ces systèmes de priorisation par impact, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont opposer l'impact d'un item versus sa complexité à concevoir. Et donc, ça va faire remonter les choses qui ont le plus d'impact et qui coûtent le moins cher à construire. Donc, ça, c'est des éléments aussi importants, ce qui permettent après de faire une roadmap.
Dans beaucoup d'entreprises, on est au quarter. Moi, je pense qu'il faut raccourcir ces périodes de priorisation. La méthode de Basecamp Shape-up, elle préconise 6 semaines. 6 semaines, c'est bien. Ça dépend de la taille de vos sprints, mais ça fait entre 3 et 6 sprints. C'est une bonne période. Il faut être bien rodé à ce type d'exercice pour pouvoir faire des systèmes de priorisation de 6 semaines. Ça demande beaucoup, beaucoup de maturité. Moi, je ne l'ai pas vu encore vraiment marcher. Je dois être honnête, mais je pense que ça permet d'améliorer la vélocité que de raccourcir sa période de priorisation. Ça permet aussi de se focusser et de moins s'overcommitter, qui est aujourd'hui le gros problème qu'ont les gens produits à la tech, c'est qu'on s'overcommit beaucoup, on a envie de faire plein de choses, on a rarement les moyens de faire ces plein de choses. Et une fois qu'on a construit sa priorisation, on le roadmap. Alors moi, je préfère toujours les roadmaps, ce que j'appelle, pardon, je suis un peu vieux, mais les roadmaps 2.0, en tout cas les roadmaps. On vient plutôt mettre en avant des piliers fonctionnels en phase d'objectif et pas forcément des choses à délivrer à une date précise. Je pense que c'est plus la bonne façon d'afficher les choses avec les méthodologies agiles, mais vraiment quelles sont les choses à délivrer en phase des objectifs, sachant que si l'objectif est atteint, on s'arrête. Point. On ne va pas continuer à délivrer tout ce qu'on avait dit qu'on allait délivrer si on a atteint l'objectif avec juste un item. Donc ça c'est le deuxième élément. Et le dernier que je voudrais dire qui est vraiment important, mais tu en parlais un petit peu tout à l'heure, Mehdi, c'est la communication de ses efforts. Il ne faut pas communiquer quand on est product manager. Il faut communiquer, communiquer, communiquer encore. Donc il faut faire des cérémoniaux dans lesquels on vient expliquer ce qu'on va faire. Il faut faire des endroits de. Il faut documenter ce qu'on va faire dans Confluence, dans Notion, dans Slides. C'est vraiment, vraiment important. Il faut, si vous avez des rituels d'entreprise, il faut prendre la parole. Chez Deezer, on avait des breakfasts tous les mardis matins dans lesquels on essayait, nous produits, d'avoir régulièrement, de prendre la parole pour expliquer ce qu'on allait faire. C'est très, très important. On a tendance parfois à penser que parce qu'on a fait une présentation d'une roadmap, les gens l'ont intégré. C'est très rare des gens qui ont la compréhension du produit tel que vous l'avez. Donc, une roadmap, c'est assez difficile à comprendre, à ingurgiter. Donc, il ne faut pas hésiter à rappeler les choses. Moi, chaque fois que je fais une intervention produit, je rappelle là où on en est, je rappelle la roadmap. Ce n'est pas quelque chose que je mets une fois et je renvoie si quelqu'un me dit où est-ce qu'on en est là. Ma roadmap, je la montre à chaque événement pour être certain que les gens la comprennent, la digèrent et l'intègrent. Et c'est aussi un élément qui est important et qui est souvent oublié. Si on fait un super travail et qu'il est mal communiqué, ça ne sert à rien. C'est clair. J'ai tapé Gibson Netflix sur Google. Tu as trouvé ou pas? Je suis tombé sur Mel Gibson. C'est pas Non. lui. Non. Je suis très mauvais, hein, Non, non, c'est peut-être Gibson Biddle. c'est Gibson Biddle, voilà. Ouais, ça doit être lui. Non, non, mais très rapidement, en fait, j'aimerais bien passer à la troisième partie, ce qui est déjà, yes. ça va super vite. Mais juste très, très rapidement, tu nous disais que pour toi, les méthodos agiles, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de meilleur. Je vois beaucoup, beaucoup de remises en question sur ces méthodos. ShapeUp, je voulais partager, il est génial, c'est vrai. J'ai vu quelques startups l'implémenter, mais vraiment, c'était des startups qui avaient une culture de l'efficacité assez poussée, de vraiment mettre les mains dans le cambouis et pas réfléchir 36 000 fois avant de se lancer. Mais du coup, toi, tu préconises quoi? Comment vous travaillez aujourd'hui? Aujourd'hui, on travaille avec les méthodologies agiles de manière assez classique. J'ai rien contre ces méthodologies-là, mais j'ai vu pas mal d'entreprises, depuis que je fais ce métier, finalement faire un peu du waterfall agile. C'est-à-dire que là où avant on faisait du waterfall sur 6 mois, maintenant on vient en faire sur 15 jours. Et c'est pas, pour moi, ce n'est pas ça l'agilité. Ce qui est important, c'est l'agile, ce qu'elle permet, ce qui est intéressant, c'est de laisser les développeurs travailler dans la sérénité. Donc ça c'est un élément important. Ce que j'aime bien dans ShapeUp, c'est que ça inverse
La charge, c'est-à-dire que là où, comment on fonctionne, je pense tous un petit peu autour de la table, c'est qu'on demande au développeur, donne-moi ton costing, et puis on va faire une addition de costing, on va le mettre dans un sprint, dans deux sprints ou dans un quarter, et on va prier pour que tout ça rentre. Alors on n'en a pas parlé, moi chez Deezer, on est une très très grosse équipe, donc non seulement tu as des sprints, mais tu dois gérer des dépendances entre plusieurs équipes. S'il y a une équipe qui est en retard et qui rate un sprint, l'équipe au bout du bout, ce n'est pas un sprint qu'elle va perdre, c'est plutôt deux, le temps que les choses se fassent, soient testées, etc. Et donc ça a un peu ses limites, ça, et ça donne une course qui ne s'arrête jamais, qui est assez épuisante, je trouve, pour le produit et la tech. Là où la méthode ShapeUp, qui est de dire… Je ne vais pas te demander combien ça coûte, je vais te dire combien de temps tu as pour faire quelque chose. Et ensuite, débrouille-toi pour le faire à la limite. Et ça permet de sortir un peu du tout feature. Enfin, c'est de dire voilà ce qu'il faut qu'on arrive à faire. Tu as tant de temps, trouve-moi une solution. Alors, les garde-fous à mettre en place, à mon avis, là-dessus, sont des garde-fous d'abord de user experience et d'user interface. Le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'on veut aller vite et faire des choses malines qu'on doit les faire au détriment de la qualité de l'interface. Donc ça, c'est un élément très, très important. C'est pour ça que les design systems sont des éléments très, très importants à prendre en compte, qui ne sont pas l'apanage des designers ou des développeurs, qui doivent être l'apanage du produit aussi. Parce que si on veut faire un truc rapide, mais qui soit cohérent et qui ne nous pète pas… À la figure plus tard, il faut absolument implémenter un design system qui fait qu'on n'a plus ou moins soucié des problématiques de consistance UX. Et après, il y a beaucoup de problématiques qui sont plus des problématiques tech, mais qui sont des conventions et des discussions d'architecture qui sont importantes à avoir quand on fonctionne comme ça. En tout cas, moi, c'est des choses que je trouve intéressantes dans les startups à implémenter. Mais encore une fois, par contre, chez Pop, mon sentiment, c'est qu'il faut beaucoup, beaucoup de maturité pour le faire. Ouais, clairement, ça met la barre assez haute. On va parler un peu de compétences, de carrière. Ouais. Enfin, c'est un sujet hyper, hyper large. C'est pas en 10 minutes qu'on va défricher ce sujet qui est millénaire. Donc, on va peut-être rester sur le scope du CPO. Et du coup, je voulais commencer par te demander, toi, pour toi, c'est quoi les compétences pour être un bon CPO et quelles futures compétences t'aimerais développer? Déjà, je pense quand même qu'aujourd'hui, il faut avoir été un bon product manager, même si ça fait longtemps que je suis plus product manager. Mais en tout cas, il faut avoir ces soft skills qui permettent d'être un bon product manager. Et je l'ai dit tout à l'heure, je le redis encore. Avoir de l'empathie, c'est un élément important. Avoir un relationnel dans l'entreprise, il faut savoir se mettre au milieu de l'entreprise, ce qui n'est pas évident quand on est au milieu entre un CTO et un chief revenue officer ou un directeur commercial. Je peux vous assurer que ce n'est pas évident pour tirer son épingle du jeu. Des skills de communication, parce que là aussi, c'est très compliqué de faire une roadmap. Je pense que vous le savez, c'est très facile de la déconstruire. Donc, il faut ces skills de communication. Ce qui est compliqué quand tu passes de product manager à leader produit, mais ça, c'est une conviction qui est toute personnelle, hein. C'est qu'il faut se désapprendre à faire et il faut apprendre à faire faire. Alors, il se trouve qu'en l'occurrence, moi, j'ai eu la chance de manager des head of product. Donc, c'est encore autre chose que de manager des product managers directement, c'est de manager des head of product. Et dans tous les cas, il faut apprendre à faire faire. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à penser qu'on irait plus vite en faisant les choses comme on aimerait bien qu'elles soient faites. Mais non, en fait, il vaut mieux perdre du temps pour transmettre ce qu'on pense être la bonne chose, accepter que les choses ne seront jamais faites 100% comme on a envie qu'elles soient faites, et pour que les gens apprennent et les gens grandissent. Et malgré tout, aujourd'hui, on n'est pas des centaines, des centaines si, mais en tout
tout cas à Paris, on n'est pas des milliers à avoir fait 10 ans de product management et avoir vu les évolutions technologiques, les évolutions des usages, les évolutions des mentalités, que ce soit dans les entreprises, que ce soit auprès de nos clients. Donc tout ça, il faut le transmettre aujourd'hui, c'est une responsabilité forte. C'est pour ça aussi que je suis là ce soir, c'est aussi pour ça que je parle beaucoup aux communautés, que je fais beaucoup de mentoring, que je passe beaucoup de temps avec les équipes, parce qu'il y a des choses à transmettre, que c'est un métier qui, malgré tout, commence à être documenté, mais pas tant que ça encore, et surtout sur les problématiques de leadership, et surtout sur les problématiques de scale. Là, on va commencer à bien savoir ce que c'est une squad, commencer à avoir des frameworks de type RISE, etc. Comment on manage des équipes produits quand on commence à avoir 20, 25, 30, parfois il y en a plus, des product managers. Bah, ça devient beaucoup plus dur de trouver ça. Donc il faut apprendre et c'est compliqué. En tout cas, il faut avoir un rôle de coach. Parce que sinon, le biais de ça, c'est qu'on a tendance à tout décider tout seul. Et le risque de ça, c'est qu'on ne peut pas scaler quand on est tout seul. Moi, Un individu pour un gérer. Voilà. je suis vachement partisan de l'école. Enfin, en termes de management, jeter dans le bain, laisser réussir et échouer, et ensuite faire un peu, et ensuite revenir vers de la transmission. Je trouve que ça te crée une ramp-up assez solide, quoi. On est Tu d'accord, peux Mehdi, demander à mais Flavie et à Héloïse. ça m'intéresserait d'avoir votre avis, mais mets-toi dans une situation où tu es dans une scale-up, ça va très très vite. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a un product qui dit je vais faire ça, je vais tenter. Tu sais qu'il va se planter, qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses apprendre ou tu te dis bah ouais, mais j'ai pas le temps. Oui, bah c'est vraiment, enfin, je pense que tu mets le doigt quand même sur un truc qui est quand même hautement essentiel, cette espèce d'ambivalence entre ce rôle de product où on se sent un peu entrepreneur, on a envie de tester des trucs, machin, machin, et en fait, bah, il y a les impératifs, quoi. Il y a les impératifs, il y a les priorités. Et du coup, enfin, ça rejoint une question que je voulais te poser. C'est une question très, très vaste. C'est le leadership. Comment est-ce que tu vois ça? Comment est-ce que tu définis ça, toi, aujourd'hui, avec tout ce que tu as comme expérience en product? Le leadership product. Bah, le leadership product, c'est difficile de le matérialiser, mais en fait, il est assez simple au niveau du résultat. Ce que je disais tout à l'heure, on est généralement un product pour cinq développeurs, ou ça, c'est des ratios qu'on voit dans les entreprises. On n'a aucun, en tout cas aujourd'hui, dans pas mal d'entreprises, c'est en train de changer. Hein, on pourrait faire un autre webinaire sur les CPTO, mais. On se doit d'emmener des équipes qui sont beaucoup plus grandes que nous, souvent beaucoup plus organisées. Et c'est ça le leadership, c'est de réussir à convaincre des équipes qui sont beaucoup plus staffées que nous que ce sur quoi ils travaillent, c'est la chose la plus importante, alors même qu'on n'a pas de lien hiérarchique avec eux. Et c'est ça le leadership pour moi. C'est de réussir à mettre tout en place pour que quand on dit les gars, il faut qu'on aille là, les gens aillent là. Encore une fois, alors même qu'on n'a aucun lien hiérarchique. Et c'est ça le leadership produit. Il faut vraiment pas oublier que notre position de produit, là où on apporte le plus de valeur, c'est de faire faire les meilleures choses, les choses qui changent la diff pour les entreprises aux développeurs. Et c'est ça le leadership produit. Et quand tu arrives à créer des succès une fois, deux fois, trois fois, on a parlé de la communication avec les stakeholders, communiquer avec vos techs, parce que pourquoi on fait les choses, c'est important. S'il y a un tech qui vous dit j'ai fait sticker, mais je ne sais pas pourquoi, vous avez échoué. Et quand on communique des succès aux développeurs, il y a un côté grisant et c'est comme ça qu'on construit son leadership. C'est en disant, les gars, je vous le dis, parce que regardez, la data me le dit, la recherche me le dit, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Boum, on fait ça, on atteint l'objectif et là, on se crée un cercle positif super fort. Est-ce que tu peux nous donner deux, trois tips pour les product managers ou futurs product managers ici présents pour se former au quotidien, en fait, développer ces skills dont tu parles, qui sont des soft skills, mais aussi des hard skills. Est-ce que tu peux nous trouver deux, trois conseils par rapport à ça? Bah déjà, si vous êtes product manager, faites-le dans vos entreprises. Il y a normalement plein d'occasions. Pour ceux qui ne le sont pas, moi, je crois beaucoup au side project.
Il y a aujourd'hui tellement d'outils de no-code que si vous avez une idée, c'est très facile de l'implémenter. Mais au-delà de ça, il y a tous les outils pour se dire, tiens, j'ai une idée, on m'a parlé de ce truc, ben, je vais le faire en side project. Donc, ça veut dire quoi? C'est au-delà du prototype ou de comment vous l'implémentez, c'est de dire, je vais utiliser toutes les techniques product management autour de moi que je connais pour montrer que je sais le faire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des surveys, faire des story maps, commencer à faire des prototypes, le montrer à des gens. Il y a des techniques après sur lesquelles on peut faire des fake doors en mettant un petit peu d'argent sur du Facebook Ad ou du Google Ad pour voir si les messages qu'on a envie de passer passent bien, si les gens ils aiment bien ce que vous faites, si ça répond à un besoin. Je crois beaucoup au side project et du reste, je crois beaucoup quand on est product manager qu'en fait, comme les designers, on devrait toujours venir quand on veut dans les interviews par exemple avec un portfolio de ses succès et de ses échecs, mais de qu'est-ce qu'on a fait. Les designers, ils arrivent toujours avec un portfolio. Ça permet à leur futur manager de voir ce qu'ils ont fait. Ben, c'est pareil pour un product manager. Il faut venir avec un portfolio et le portfolio, il peut commencer par des side projects. C'est très entrepreneurial, mais ça peut se faire de manière très facile. On a tous des idées ou on a tous des gens autour de nous qui ont des idées. Finalement, l'idée, peu importe. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que recruteur, c'est c'est quoi les mécaniques, ce qu'on appelle le product sense, qui permet d'amener à la validation ou non d'une idée. Canon, mettez-nous s'il vous plaît, ceux qui sont toujours là, ceux qui sont toujours là, mettez-nous s'il vous plaît une petite note de 0 à 5 sur le webinar et comment on aurait pu améliorer si vous voulez dans le chatbox. C'est l'une des premières fois qu'on me donne ce conseil et je le trouve vraiment bien. Et ce n'est pas un conseil de faites de la veille, lisez ceci, lisez lui, lisez cela. C'est un conseil très pratique, c'est faites, vous êtes des products, faites. Et je trouve ça vraiment, vraiment top. Et c'est un truc. Bah, c'est un truc qu'on essaie de faire. Et justement, en fait, là, la quatrième promo, elle arrive de Maestro. Et on va mettre énormément l'accent sur le projet de fin avec une espèce d'évolution massive sur laquelle on communiquera bientôt là-dessus. Donc, merci beaucoup, Benoît, pour ce conseil. Avec grand plaisir. Je le dis aussi souvent, je suis quelqu'un d'assez accessible. Vous me trouverez facilement, vu mon nom de famille, sur LinkedIn ou sur Twitter. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi et on en discute. Et t'as que des 5 et ça fait plaisir. Et Ouais, mais je tu verras si je pars et les notes vont te. baisser. Oui, les utilisateurs, Souviens-toi ce des que j'ai dit menteurs, tout tous à des l'heure menteurs. sur. Voilà. Vous êtes tous des menteurs et des menteuses. Bah, merci beaucoup. Bah, écoute, je te souhaite une bonne soirée, un bon début d'année aussi avec Ocus. Bonne chance aussi pour ton asso, la French CPO. On n'en a pas parlé, mais très très belle asso qui aide à structurer un peu l'écosystème. Tout à fait. Et bah, pour ton talk à la LPC aussi, et à très bientôt. À très Merci bientôt beaucoup, tout le Benoît. monde. Bonne soirée. Merci. À bientôt.